Bon, là, on va étudier les suites arithmétiques et géométriques. Présentation. Dans ce chapitre, nous nous proposons de réinvestir et de compléter les résultats vus dans les classes antérieures. La première partie est consacrée à l'étude des suites arithmétiques, la seconde à l'étude des suites géométriques. Dans chaque cas, après avoir rappelé la définition, nous donne l'expression du terme de rang n de la suite, puis la relation permettant de calculer la somme u de 1 plus u de 2 plus etc. plus uk des k premiers termes. Donc, activité et résultat. Suite arithmétique, activité 1. Qu'est-ce qu'une suite arithmétique? La production d'une entreprise pour 1999 est de 5000 unités. L'entreprise prévoit une augmentation de production de 100 unités par an. Reproduire et compléter le tableau suivant. Donc moi je vais prendre ce que moi j'ai fait. Donc en 1999, la production est de 5000. Ensuite, on a une augmentation de 100 unités par an. Donc en 2000, on aura 5100. En 2001, 5200. En 2002, 5300. En 2003, 5400. Donc on a bien ces résultats. Si l'on note U de 1, la production de 1999, U de 2, celle de 2000, U de 5, celle de 2003, on constate que la suite des nombres U1, U2, U3, U4, U5 est telle que chaque terme, à partir du deuxième, s'obtient en ajoutant 100 au premier terme, au terme précédent. Cette suite de nombres est une suite arithmétique de premier terme 5000 et de raison 100. Donc à retenir, suite arithmétique, définition. Une suite arithmétique est une suite de nombres tels que chacun de ces termes, autre que le premier, s'obtient en ajoutant au terme précédent un même nombre appelé raison. Si U1 désigne le premier terme et R la raison, on a pour n entier supérieur ou égal à 1, U de n plus 1 égale U de n plus R. Donc cette formule U de n plus 1 égale à U de n plus R, il est quand même assez embrouillant, je l'avoue. Mais si on le regarde de un peu plus près, il est très simple. Prenons par exemple U2. Donc ça veut dire que n est égal à 2. Donc je vais remplacer n par 2 et de l'autre côté, à gauche, également 2. Donc ici à gauche j'aurai 2 plus 1, 3. Donc U3 égale U2 plus R. Donc si je regarde mon tableau, U3 vaut 5200, U2 vaut 5100. Donc 5100 plus la raison 100 vaut bien 5200. Encore un autre exemple, on va prendre U3. Donc je remplace n par 3 et également de l'autre à gauche par 3. Donc j'aurai 3 plus 1, 4. Donc égal à U3 plus R. Donc U4, j'ai 5300 égale U3 plus la raison 100. Donc 5200 plus 100, ça va donner 5300.
croissant. Donc c'est comme ça qu'il faut raisonner cette formule. Maintenant, application directe. Écrire les cinq premiers termes de la suite arithmétique de premier terme moins 3 et de raison 2. Donc on nous demande les 5 premiers termes. Le premier terme c'est moins 3 et raison c'est 2. Donc moins 3 plus 2, ça va donner 2 moins 3, ça va donner moins 1. Moins 1 plus 2, 2 moins 1, ça va donner 1. 1 plus 2, ça va donner 3. Plus 2, ça donne 5. Donc on va vérifier si on a bien ces résultats. Donc on obtient moins 1, U1 égale moins 3, U2 égale moins 1, U3 égale 1, U4 égale 3, U5 égale 5. Maintenant on nous demande, deuxièmement, écrire les 4 premiers termes de la suite arithmétique de premier terme 3 et de raison moins 0,5. Donc ici, voilà, la raison elle est négative. Donc je vais faire 3 moins 0,5, ça va donner 2,5. 2,5 moins 0,5, ça va donner 2. 2 moins 0,5, ça va donner 1,5. Moins 0,5, ça va donner 1. Donc U1 égale 3, U2 égale 2, 5, U3 égale 2, U4 égale 1,5, U5 égale 1. Donc moi j'ai 3 et 2, 5, j'ai pris 5 premiers termes. Bon, c'est pas la peine, juste 4, ça suffisait. On va le vérifier. U1 égale 3, U2, 2, 5, U3, 2, U4 égale 1,5. Donc c'est bon. Maintenant, activité 2. Comment exprimer le terme de rang n d'une suite arithmétique? On considère la suite arithmétique de premier terme U1 et de raison R. Exprimer uniquement en fonction de U1 et de R les termes suivants de la suite U2, U3, U4, U5. Donc on va prendre donc le premier terme c'est U1, la raison c'est R. Donc U2 est égal à U1 plus R. Donc U3 est égal à U1 plus R, c'est-à-dire le terme U2. U2 est égal à U1 plus R, donc je prends cet ensemble plus la raison. Donc j'aurai U1 plus 2R. Donc U4 est égal à U3 plus la raison. U3 est égal à U1 plus 2R plus R. Ce qui va me donner U1 plus 3R. Ensuite, U5 est égal à U4 plus la raison. Alors U4 est égal à U1 plus 3R. Donc U1 plus 3R. Plus R. Donc j'aurai U1 plus 4R. Donc là je suis revenu au sujet. On dit, on va vérifier. Donc on obtient U2 égale U1 plus R, U3 égale U1 plus 2R, U4 égale U1 plus 3R, U5 égale U1 plus 4R.
Donc le résultat est bon. Donc on nous dit, on peut supposer que plus généralement, on a un égale u1 plus n moins 1 fois r. Alors là, on ne sait pas comment est-ce qu'ils ont trouvé cette formule. Donc on va aller vérifier le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors, ils ont dit que un égale u1 plus n moins 1 fois r. Donc moi je vais prendre un exemple, je vais remplacer le n par 5. Donc j'aurai u5 égale u1 plus n, c'est 5, donc je remplace 5 par le n. Donc j'aurai 5 moins 1 fois r. Qu'est-ce que je constate? Que u1 plus 4 fois r. Donc j'aurai 4r. Donc u1 plus 4r. Donc c'est bien ce que j'ai trouvé précédemment. U5 égale u1 plus 4r. Donc on pourrait écrire que un égale n'importe quel terme. Un égale u1 plus n moins 1 fois r. On pourrait également prendre 10 000. U10 000 égale u1 plus 10 000 moins 1 fois la raison. Donc à retenir, suite arithmétique terme de rang n, soit une suite arithmétique de premier terme u1 et de raison r, on a pour n supérieur ou égal à 1, u de n égale u1 plus n moins 1 fois r. Alors pourquoi j'ai n supérieur ou égal à 1? Parce que le premier terme qu'on a pris, c'est u1. Si le premier terme qu'on avait pris était u4, alors j'aurais ici n supérieur ou égal à 4. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est exactement, c'est par rapport au premier terme. Si j'avais 5 ici, u5, j'aurais n supérieur ou égal à 5. Donc, application directe. Dans chacun des cas suivants, calculez u2, u3, un. Comment j'ai u1 égale moins 2 et la raison c'est 1. Quand on prendre donc u1 est égal à moins 2, la raison c'est 1. Donc u2, je vais appliquer bêtement la formule. U2 est égal à u1 plus n moins 1 fois r. Donc je remplace u1 plus le terme. N est égal à 2. Donc je remplace 2. Je fais de n, je remplace n par 2. Donc je fais 2 moins 1 fois r. Donc j'aurai u1 plus 1 fois la raison. La raison c'est 1. Donc 1 fois 1. Donc, ensuite, u1 est égal à moins 2. Donc moins 2 plus 1. Donc 1 moins 2 moins 1. Le résultat c'est moins 1. Ensuite, u3. J'applique la formule. u3 égale u1 plus n moins 1 fois r. U1 est égal à moins 2 plus le rang n vaut 3. Donc 3 moins 1 fois la raison c'est 1. Donc j'aurai moins 2 plus 3 moins 1, 2 fois 1. Donc moins 2 plus 2 est égal à 0. Ensuite, on nous demande un. Donc un,
On a comme rang, c'est n. Donc un égale u1 plus n moins 1 fois r, la formule classique. Donc je remplace u1 par moins 2 plus n moins 1 fois la raison c1. Donc j'aurai moins 2 plus n fois 1, ça va donner n, moins 1 fois 1, ça va donner moins 1. Donc j'aurai n moins 1, c'est-à-dire moins 2 plus n moins 1. Donc moins 2 moins 1, ça va donner moins 3 plus n. Donc on vérifie ça, le résultat, si on avait bien. Donc on est, la réponse elle est là, U2 égale moins 1. Est-ce qu'on a trouvé le même résultat? U2 égale moins 1. U3 égale 0. U3 égale à 0 et UN égale N moins 3 ou moins 3 plus N. On va faire la deuxième exo, deuxième petit 2, U égale U1 égale 6, raison moins 3. Donc on a U1 égale à 6, raison moins 3. Donc on va cliquer les U2. On va appliquer bêtement la formule U2 égale U1 plus N moins 1 fois R. U1 égale à 6 plus terme de rang N vaut 2. Donc 2 moins 1 fois moins 3. La raison c'est moins 3. Donc j'aurai 6 plus 2 moins 1, ça fait 1 fois moins 3, ça va donner moins 3. C'est-à-dire 6 moins 3, 3. U3 égale U1 plus N moins 1 fois R. Je remplace 6 par U1 plus N vaut 3, donc 3 moins 1 fois moins 3. 3 moins 1, ça va donner 2 fois moins 3. Donc j'aurai 6 plus 2 fois moins 3, ça va donner 6 moins 6, c'est-à-dire 0. Ensuite, pour n, pour u de n, donc on va remplacer, on va appliquer la formule u de n égale u1 plus n moins 1 fois r. Par contre, là ici, le terme de rang n vous reste n. Donc 6 plus n moins 1 fois moins 3. Donc 6 moins n moins 1. J'aurai n fois moins 3, ça va donner moins 3n, moins 1 fois moins 3, ça va donner plus 3. Donc 6 plus 3, ça va donner 9, moins 3n. Donc je résolve, donc U2 égale à 3, U3 égale à 0, et UN égale 9 moins 3n. Donc U2 égale à 3, U3 égale à 0, UN égale 9 moins 3N ou 3 moins 3N plus 9. Ensuite, on a comment calculer la somme des k premiers termes d'une suite arithmétique.